Bonjour, dans ce tutoriel, nous allons voir comment s'inscrire à un parcours sur la plateforme Magistère. Donc, dans votre navigateur, vous tapez Magistère, Poitiers, par exemple. Cliquez sur le lien. Si vous étiez récemment connecté à cette plateforme, vous n'aurez pas besoin de remettre vos identifiants. Vous avez la possibilité, par contre, en fin de session, de vous déconnecter. Parmi les offres de formation, vous avez ici un espace qui va vous permettre d'entrer un mot-clé. Donc ici, je vais taper, par exemple, le mot-clé écrit pour rechercher le parcours qui m'intéresse. Vous voyez que je trouve dès le deuxième résultat une entrée progressive et cohérente dans l'écrit de la maternelle au CP. Alors, si on sait que le parcours a été conçu par Canopé, on peut cocher ici Canopé et vous voyez, les résultats vont être encore plus filtrés. On n'aura plus que quatre entrées. Il suffit de cliquer sur le parcours pour avoir une description. On peut également télécharger sa description en PDF et la partager avec ses collègues si vous souhaitez être plusieurs à suivre ce parcours en auto-formation. En auto-formation veut dire que vous êtes libre de vous connecter quand vous voulez à ce parcours. Une fois que vous êtes inscrit au parcours, eh bien, vous pourrez y revenir. Par exemple, dans DSDEN, intranet, magistère, et ce parcours sera dans mes parcours. Donc ici, dans mes parcours se former, une fois que vous aurez votre inscription de validée, eh bien, ce parcours se retrouvera ici. Et vous pourrez accéder ensuite à l'ensemble, vous voyez, avec toutes les étapes et la description du parcours. À bientôt pour un autre tuto.